Les prisons au cœur des villes, c'est un héritage du passé. Époque où on construisait au milieu de la ville, à côté du palais ou tout près, la prison. Ça n'est pas compatible avec l'urbanisme moderne, c'est souvent de très beaux bâtiments, et ça fait des prisons détestables. La logique, et je dirais à la fois l'humanité, en même temps meilleure sécurité, commande que les prisons soient hors de la ville, mais pas perdues dans la campagne. Il faut penser à ceux qui y travaillent, qui vont y travailler, il faut penser aux familles qui viennent visiter les détenus, donc assez proches de la ville. Et c'est précisément ce qui se passera à Strasbourg. Une place de prison coûte entre 300 et 400 000 francs lourds. C'est d'ailleurs une norme internationale. Je voyais qu'aux États-Unis, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 600 000 francs lourds la construction d'une place. Par conséquent, construire des prisons, oui, mais pour justement baisser le coût de l'opération, nous procédons à des échanges avec les municipalités. J'ai un véritable appel d'offres. Partout où nous avons des prisons à ainsi extraire de la ville, il y en a environ 38 à l'heure actuelle qui doivent être absolument sortis des villes, qui sont indignes, et j'ai proposé aux municipalités l'échange. Alors, ceci est la première opération réalisée, il y en aura d'autres.